Hein, les vis, elles viennent de là. Une qui tombe, deux qui tombent. Voilà. Domino's, pizza. Voilà, ouais, d'accord, allez, allez, coucher. Salut les amis, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui, je suis en compagnie de Lucas. Moi. Sa chaîne en description, les amis. N'hésitez pas à les regarder après cette vidéo, bien sûr, parce que cette vidéo, les amis, elle est super cool. Aujourd'hui, les amis, on va faire une vidéo où on va déballer tout simplement les pièces pour le 65. Vous l'avez vu, on l'a présenté dans la dernière vidéo. C'est faux, j'ai même pas encore fait la vidéo présentation qu'on vous déballe déjà les pièces. On est des petits cachotiers. Mais les amis, aujourd'hui, on va vous déballer toutes les pièces pour le 65 pour le remettre à neuf. Tout simplement, c'est Lucas qui le fera sur sa chaîne. Du coup, le lien est en description. Il va tout vous faire la remise en route, changer toutes les pièces, vous montrer. Il va faire un piston. Ouais. Donc, pour les tutos, n'hésitez pas à les voir. Et moi, je vais vous la filmer tout simplement. Une fois qu'elle sera remise pimpante, on la testera sur terrain avec des petits défis, des petites courses. Je pense que ça peut être sympa. Des petits sauts. Voilà, exactement. Ouais, ça marche bien. Là, quand la suspension va être réparée, ça va mieux fonctionner. Du coup, les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre 2000 pouces bleus. Et si vous êtes chaud, bah, je rachète une moto, on la ramène, on la refait. Et sur le même principe, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 200 000 et à venir sur Instagram. Et n'oubliez pas qu'il vous reste encore 20 jours pour participer au concours pour tenter de gagner ma moto. Ça se fait en participant directement sur mon site internet dans la description en passant commande. Pour un t-shirt ou un pull, n'oubliez pas que si vous achetez le t-shirt et le pull, vous avez deux chances de gagner. Voilà, l'instant pub est fini, les amis. On y va directement pour déballer le colis. Ah! Normalement, là c'est bon. Là, là vous le voyez, il est assez gros. Bah attends, voilà. On peut déjà cliquer. Ouais. Non, là, ça change rien. Les amis, le colis vient tout simplement de chez 50 Factory. Vous avez le code promo qui s'affiche à l'écran. C'est Léo5. Non, c'est Léonade5. Ouais, Léonade5, ouais. Non, c'est Léonade. Je sais plus. Non, Léonade, ouais. Ouais, c'est Léonade, le code promo, les amis, chez 50 Factory. N'hésitez pas, un grand merci à eux qui m'ont envoyé les pièces pour réparer le 65. Pas pour le réparer, pour le customiser, pour qu'il soit pimpant et qu'il marche le plus fort de l'internet. Pour leur touche did. Ouais, là, il va être tout neuf. Les amis, on va déballer ça tout simplement. Peut-être il coupe rien, ouais. Attendez, attendez. Si, si, si. Voilà. Ça, c'est le moment le plus satisfaisant quand tu déballes un truc. Hop, t'as bien, j'allais te montrer une technique pour les enlever. Ouais, d'accord. Non, mais c'est vrai. On va déballer ça. Hop, c'est toujours bien emballé chez 50 Factory. Il n'y a pas à dire. Ce que les cartons sont toujours propres. Jamais. Ce que je me demande, c'est pourquoi le colis il est comme ça. Parce qu'il y a le guidon. Ah, j'avais carrément oublié. Et on va faire un concept assez cool parce que moi je me souviens même plus de ce qu'on a commandé. C'est qu'on va piocher une pièce au hasard à chaque fois. Genre on va mettre notre main comme ça, on va piocher une pièce pour savoir ce qu'on a. Et toi tu devines. Et je te dis c'est bon pas. Ça va être trop galère ça. T'es fou toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous la présenter un par un et vous montrer tout ce qu'il y a. Et on va faire ça tout de suite. Je te propose de commencer. Vas-y, mets ta main. Allez. Prends un truc au pif sans regarder, bien sûr. Attends. Là, j'ai le bras pas assez long. Let's go. Alors, ça, les amis, c'est le nouveau kit déco. Là, il va se mettre sur le guidon. Voilà, c'est le kit déco de guidon. Camouflage, voilà. Je crois que j'ai pris le plus gros. Vas-y, sors. Hop là. Ah, bah là, là, on sait direct ce que c'est. Hein. Tout simplement, il a chopé le guidon. Le guidon. Donc, vas-y, qu'est-ce qu'on a pris? Je m'en souviens même plus. Est-ce qu'on peut déballer? Ouais, un petit peu. Tu vois, on va. Ouais, pour voir. Ah, parce que le guidon, les amis, c'est un protéiper super bien et tout. Hein. Mais et un peu plié. Un peu plié. Bah, c'est sûr. Ils ont fait du SX avec, du coup, il était plié. Du coup, on en a recommandé un. Il m'a l'air. Tout neuf, tout noir. Non, à la bonne taille. Ouais, non, c'est la même taille. Hein. Un peu plus grand, mais tant mieux. Grand, au moins, vu qu'on est plus grand. Il a l'air sympa. Ouais. Bon, bien sûr, on va garder la mousse protéiper. On n'est pas bête. Hein. Ah c'est bah oui. Mousse là, c'est pas qu'elle est moche, hein, mais 50 Factory m'en voulait pas. C'est pas la plus jolie, mais ouais, non, je pense qu'il va faire le taf. Non, ouais. Voilà, on verra bien. Bon, les amis, ça, on le pose. Je te laisse le poser où tu veux. Essaye de trouver de la place. C'est sûr, il va tomber. Mais non. Moi, j'ai tout simplement pioché une pièce. Alors, on va voir ce que c'est. Allez, j'essaye d'aller dans le fond du fond. C'est quoi? Ok, super, je sais ce que c'est. C'est quoi? Ah, j'ai chopé le pire. Du coup, les amis, je vous présente de la lettre. Ah, de ouais. Ah, donc là. Moi, je croyais que c'était l'emballage. Ah, ouais, ah par contre, on en a. Mais. On pourra faire du silencieux. J'ai pas demandé à refaire mon matelas là. Mon matelas chez moi, il est. Faire ton oreiller. Ah, mais carrément. Mais en plus, pour une cartouche de 65, elle est toute petite. On va utiliser ça sur ça. Bah, et pour le prix, je crois que c'était 5 euros ou un truc. Même comme pas, ça. C'est 4,90 je crois. 4,90, ouais. Donc, mais moi, on fait moins de bruit. On se met à repérer. C'est toujours mieux parce que là, déjà que c'est une pro circuit en complet, ça gueule pas mal pour un 65. Du coup, autant lui remettre une petite ligne. Une petite laine de roche, je te donne ça. Et vas-y, ça à toi, tu peux repiocher. Lui, il va piocher les bons je trucs. Repioche. Ah oui, bah oui. Vas-y, vas-y, prends un truc. Ah. Ah. Alors là. Alors là, on a tout pris. Simplement piocher la totale. Il n'y a plus rien au moins. Bah, je sais pas. Ah, si, il doit rester des trucs. Ouais, bah, il doit rester. On va tout simplement le déballer. C'est toi qui as le cutter? Ouais. Bah, il y a pas besoin de cutter. Ouais, carrément. Ça qui est bien, c'est chez 50 Factory, il détaille vraiment tout. Genre, à chaque fois, il met tout dans des petits sachets. Au moins, tu sais tout ce qui va. Donc, et... bah, on a le bon de commande, on a le petit porte-clés qui fait plaisir. Ça, on pourra le mettre au 65 là. Ouais, on pourra le mettre en sponsor. Bon, du coup, je te propose de commencer. En fait, ouais. Le plus important pour bien rouler. Le plus important qu'on n'avait pas, un embrayage complet. En plus, Athéna, donc de la bonne marque. En vrai, ça va, de la bonne marque. Avec problème. Ouais. Juin, ça c'est cool. Voilà. Parce que les anciens propriétaires ont fait ça à la pâte à joint, c'est pas. Bon, on va le refaire impeccable. Du coup, ouais, ça va. Propre, le petit embray, vas-y, prends un truc.
Je prends un truc, je prends les ressorts de peau. Les ressorts, c'est vrai que les ressorts de peau, ouais, ça partait un petit peu en steak, ils ressortaient ouais. plus très bien. Et du coup, je pense que c'est ça qui faisait la fuite au pot. Parce qu'on avec le temps, ils se détendent et du coup. Une fuite au joint de peau. Bon, moi, je prends le plus grand, filtre à air et normalement déjà graissé. Ouais, déjà graissé. Ouais, normalement, il est blanc. Ouais. Et ouais, du coup, déjà graissé. Je voulais peut-être prendre l'ancien pour voir. Et en plus, il est emballé dans un truc hermétique. Ouais. Donc c'est ça qui est bien. Il peut. Et puis même, je crois, après, tu ouais, peux le. Voilà. Ah ouais, donc là, regardez le comparatif. T'as le nouveau et là, t'as l'ancien. Bon, il était. C'était, ouais. En fait, c'est le même en plus. Bah, c'est, ouais, c'est un Twin Air, je crois. C'est un Twin Air, ouais. Ouais, c'est un Twin Air. Bon, bah, on voit la différence quand même. On voit la différence après que c'est vraiment usé. Vas-y, chope ta pièce. Le petit piston. Le petit piston. Ah, il est petit. Ah, vas-y, déballe ça. Moi, j'ai trop envie de voir. Oh, par contre. Parce que qui dit 65 dit bébé piston. Ah, bébé piston. Ah, bah, ça marche trop fort. Vous c'est allez pas voir. Un bébé piston, hein, il est gros. Sur les vidéos test, c'est un truc de fou. C'est plus gros qu'un 50 origine. Et c'est plus gros qu'un. Ah, bah oui. Qu'un scooter. Bah, attends, je vais te montrer un cylindre de 80, tu verras la différence. Ah, ouais, il est pas mal. Hein. Il est tout neuf, il a jamais frotté. Heureusement, il n'y a pas assez rare avant de nous l'être envoyé. Cote A en plus. Ouais, cote A. Bon, le cylindre, je pense pas qu'il doit être rincé. Donc. Bon, bah, petit piston. Bah, il est vraiment petit. Hein. Dans sa petite boîte, c'est tout mignon. Ça va sur des pièces sur le 65, ça vaut pas très cher. Non, ça va, c'est des petites motos du coup. Ça, c'est un 86. 86, ouais, bah ça change. La différence, bon, ça, c'est pas énorme. Hein. Ouais, quand même. Nous, il est tout neuf. Il est tout neuf. À lui, il a pas aimé. On va le remettre dans sa boîte. Avec le petit tac et les circlips. Du coup, ça, si vous voulez voir le montage, ça sera directement sur la chaîne de Lucas. Moi, je vais piocher ça parce que moi, je suis dans le détail. C'est les petites poignées WRP. Ça, c'est de la marque, hein, WRP, je crois. Non, c'est ça, c'est un préparateur. Ah ouais, c'est un préparateur. Bah, pourquoi il fait des poignées? Non, mais c'est pas lui qui les fait. Et il nous prépare des poignées, c'est des poignées débridées. C'est après. Du coup, les petites poignées, c'est bien parce qu'elles vont être à la bonne ouais, taille. On avait oublié ce détail-là. Après, si tu veux, on a un tirage rouge. De toute façon, ça va, je sais pas, on va trouver un truc, mais en tout cas, des poignées toutes neuves. Du coup, ça va. Ça va faire plaisir. Celles-là, elles sont rincées, mais c'est des micro-poignées, c'est vrai. Ah oui, c'est vraiment pour les enfants, c'est pas. Mais avec le gros guidon, je pense que ça va passer. Ah oui, bah, ce guidon, on va rattraper sur le même niveau. Donc, voilà, on va réussir à faire un micmac. Vas-y, je te laisse prendre une petite pièce. L'important pour freiner. Parce que les plaquettes. Ah ouais, c'est vraiment tout petit, ouais. Hein. Oh. Regardez les amis, la taille des plaquettes, elles sont minuscules. On dirait des plaquettes de vélo. Ah ouais, je te jure. Des plaquettes toutes neuves, c'est des de booster. En vrai, même ça pas. Va. Elles sont toutes neuves. Ok, alors on va prendre ça. Je sais même pas ce que c'est. Ok, ça c'est pour la suspension. C'est le cylindre. Ah oui, bloc. C'est ouais. Cylindre bloc de suspension. Parce qu'il y a un prix un peu tarif. Ouais, parce que comme vous l'avez vu hein, sur la vidéo présentation, il y a un petit peu de choses à faire. C'est pour ça. Ok, sympa. Stickers. Ok. Moi je vais prendre quoi? On le coller là. Moi je vais prendre ça. Hop. Petite pâte à joint, pourquoi on a pris le pot? Ouais, mais du coup, avec les ressorts, peut-être ça va. Ouais, mais au cas où, un c'est petit au cas peu où, pâte ouais. à joint, toujours mieux de l'avoir. C'est toujours mieux. Et vas-y. Et ça, c'est le deuxième au cas où, voir. Le deuxième tiers bloc pour au cas où, parce qu'on savait pas trop, c'était pas notifié. Du coup, toujours les petits stickers avec 50 Factory, c'est bien. Stickers, ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut tout remettre dedans. On peut reposer en attendant de démonter. Carrément. Là, on va prendre la dernière pièce, je pense qu'il reste qu'un truc. C'était quoi? L'huile. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que là, on peut faire une petite vidange de boîte. Puis là, je pense qu'on peut en faire même deux vidanges. Ouais. Parce que vu que c'est une petite boîte. Et de l'iPhone. Et toujours, elle est bien emballée dans son petit. Au moins, même si ça fuit. Au moins, elle fuit pas. Ou si ça fuit, elle fuit dedans. Ouais. Et elle ruine pas tout le colis. Au moins, tu la remets dedans, tu vas. Ouais, nickel. Du coup, de la petite iPhone. Donc, en vrai, on va faire un petit récapitulatif de toutes les pièces qu'on a pris pour le 65. Parce que là, il va être tout pimpant. Donc, l'huile, filtre à air, embrayage. Très important. Parce que si on n'avait pas d'embrayage, bon, moi, je pense qu'on va surtout faire un truc d'entretien régulier, en fait. Bah là, on va faire un. Ouais, c'est sûr. Filtre à air, huile, bah vidange. C'est pour redonner une moto au goût du jour. Petit piston, ça. Parce que même si le piston, il me paraissent encore bon. Ouais. Au pire, on aura deux pistons. Ouais. Et voilà, au moins, si jamais on vient la revendre, on saura combien d'heures aura le piston. Après, même. Par contre, il n'y a pas de compteur d'heure. Il n'y a pas de compteur d'heure. C'est vrai, on aurait dû en prendre un. Mais c'est pas grave, on va savoir quand on a fait avec les factures. Mm-hmm. C'est toujours mieux pour vendre. Les cylindres blocs, bon, ça, on a pris deux tailles. Ouais. On vous dira. Les ressorts, voilà, parce qu'il les fallait. Le guidon, il faut pas l'oublier. Le guidon avec les poignées. Ça va être tout bloqué. Il est bloqué. Voilà. Le petit guidon. Et la laine de roche aussi. Et la laine de roche. Donc en fait, c'est quasiment pour faire une moto presque. Au bout du jour. Et puis ouais, lui remettre les consommables un petit peu et refaire un petit truc assez nouveau. Parce que là, sur le poste de pilotage, c'est vrai que ça paraissait un petit peu ancien. Ça prend un coup de vieux. Puis c'est toujours mieux d'avoir un guidon tout neuf, une belle mousse de guidon, de belles poignées, du freinage, un entretien régulier, un embrayage qui fonctionne. Ouais. On va arrêter de passer à la volée. Mais en tout cas, voilà. Bon, moi je pense que les amis, on a fait le tour de ce qu'on a commandé aujourd'hui. Ceux qui veulent directement commander chez 50 Factory, vous avez 5% avec le code Léonard, comme je vous l'ai dit. Maintenant, ce que je vous propose, c'est directement d'aller sur la chaîne de Lucas pour voir le montage de toutes ces pièces. Tout ça, piston, embrayage, tout ça, ça sera fait dans la remise en route de la 65. Et puis voilà, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, les amis, ou à aller voir sur la chaîne de Lucas, lui poser des questions mécaniques. Moi, vous êtes là sur la présentation de bolide, mais et là, dans questions mécaniques, faut aller là-bas. Je vous redirige vers le collègue. En tout cas, on va prendre ça, t'en la pollution.
à poser ça là. Pense aux tortues, on pense aux tortues. Carrément. Du coup, voilà. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo pour vous, qu'on vous présente un petit peu toutes les pièces pour la remise en route. Et puis voilà. Dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez qu'on en fasse de multiples présentations sur d'autres bolides. Pourquoi pas, on peut encore. Tout terrain ou ok. De la place. Hein. Ouais. Ce qui demande au niveau du kit déco, c'est prévu. C'est même pas une surprise parce qu'on se doute bien qu'avec un kit déco comme ça, il faut le refaire. Mais la couleur, on sait pas encore. La couleur, on sait pas encore parce que j'ai pas trouvé de. De carénage. Bah, tout blanc, si j'ai trouvé, mais c'est un peu un budget. Finalement. Et puis, ouais, c'est un petit peu cher. Ils vendent ça à une centaine d'euros. Ah, 200 même. Ouais, 200 euros, c'est un petit peu cher. Mais regardez, franchement, là, quand on va avoir le bolide tout neuf comme ça, là, si on va pas aller sur terre. On va rater. Carrément. Du coup, voilà, les amis, le petit 65 en petit trou. Pour ceux qui avaient posé des questions, là, pas trop en grande roue parce que. C'est encore plus marrant, je pense. Et en petit trou, ouais, c'est encore plus marrant. Mais voilà. Plus nerveux. En tout cas, ceux qui ont des petites questions, les amis, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ceux qui ont des petites idées de vidéos, ce qu'on pourrait faire avec le 65, ceux qui ont des petits concepts. Entraînement rolling, on pourrait faire. Ah, ça, un entraînement. C'est ça, ça lève tout seul, temps, franchement. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ça lève, je pense. Ah, sixième aussi, ouais. Ah, je pense que ça lève tellement c'est petit. Du coup, voilà, les amis. En tout cas, n'hésitez pas, on se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aller voir la chaîne de Lucas. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on a tout dit. Je vous souhaite une agréable fin de journée, une bon appétit, tout ce que vous voulez de bon et de meilleur, c'était Léo Lucas. Bon goûter. Bon goûter, ouais. Salut les mecs. Bisous. Fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this